Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite balade sur European Truck Simulator. Donc la dernière balade qu'on avait fait, c'était Saint-Pétersbourg à Kaliningrad. Et donc là, on va faire un voyage de Kaliningrad à Esbjerg, qui est un voyage assez long et donc on ne fera que ça. J'ai mis une petite musique de fond derrière. Juste un petit peu pour dire. Tournez à droite. Tournez à droite. Allez tout droit. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Donc 34 heures, je pense que ça fera... On pourra faire une vidéo d'un seul tenant sans... Enfin, je veux dire, on pourra la couper. Mais ça devrait faire une bonne grosseur. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Frotter un rebord d'un panneau, là, je pense. Préparez-vous à tourner à gauche. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tournez à gauche. Donc là, on arrive à la douane, visiblement. Je pense qu'on peut passer là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Thank you.
Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est truc chiant là. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Un peu de bon sens, ça serait pas mal quand même. Voilà. Allez, j'ai mis le régulateur. Donc là, on a dû quitter l'enclave de Kaliningrad. Et on doit être dans un des pays baltes, je pense. Non, on est en Pologne. On est en Pologne. Ici, on a, oui, on est passé dans la frontière. On a donc Gdansk ici. Là, il y a Lodz, Poznan, Varsovie, Katowice. Donc, on va passer par Szczecin. Je ne sais pas comment ça se prononce. On va passer sur l'extérieur de Berlin. On va aller à Kiel. Et on va terminer ici dans Esbjerg. On y va. Bah, j'irai peut-être en Angleterre pour trouver un truc pour aller tout en haut. Enfin, on verra bien. Maintenant, je prends de toute façon les trajets les plus longs. Bon, c'est un trajet. Bon, on roule en plein jour, c'est déjà ça. Sympa le décor. Donc effectivement, quand on roule en Pologne, enfin Tchécoslovaquie, dans tous ces pays de l'Est, c'est souvent des routes, enfin je sais pas si c'est national ou départemental, mais c'est souvent ce type de route, ce qui n'est pas plus désagréable hein, finalement, parce que... Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tournez à droite. Allez tout droit. Par contre, c'est étonnant qu'il m'ait pas dit de respecter les limitations de vitesse.
Avec les corbeaux, il y a sûrement un Maquiavé quelque part. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Allez tout droit. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Mais je veux doubler. Allez tout droit. Wow, nickel chrome. Ça, c'est un bon réglage. Allez tout droit. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oh! Effectivement, la voie au-dessus, ça doit être à 50, et là, tu te prends une... Enfin, c'est complètement con. Enfin, la voie était limitée à 70, par contre, tu vois qu'au-dessus, tu as la voie qui passe à 50, donc tu as un bug, il y a un conflit là entre les deux limitations, et c'est le plus bas qui le remporte. Ça, c'est complètement con. Il y avait un accident là. Il y avait un panneau signalisateur comme quoi les voitures étaient arrêtées. Non, moi je trouve ça bien. Ils ont fait quand même de gros progrès, sauf au niveau de l'IA. L'IA, pour moi, elle est vraiment une IA de débile profond. On n'a pas le droit de doubler, j'ai vu le panneau. Et donc, il va lentement, je vais plus vite. Donc c'est un cas, attention, une circonstance, respecter la limitation de vitesse, où on peut effectivement doubler. Par exemple, vous avez un tracteur qui roule très lentement et il vous ralentit beaucoup. Eh bien, vous pouvez doubler exceptionnellement, même si c'est interdit de doubler. Ah. On va faire une vidéo comme ça, je révise le code. Il y a une voiture de policier devant, qu'est-ce que je fais? Je ralentis, j'accélère. Je me gare. Bah je reste, je conduis normalement. J'ai l'impression que c'est la même musique qui passe en boucle là derrière. Alors que j'ai sélectionné un album. Musique un peu roleplay, mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est pas grave.
De toute façon, je l'entends à peine. Je vous dis, ça, c'est un vrai simulateur de conduite. Tu bailles. Poznan. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Et là, on passe à 70. Ok, fin de limitation de vitesse, c'est parti. Hop. Alors, prochaine coupure dans 5h36, donc c'est bon, je peux continuer, j'ai assez d'essence. 5h36, il est quelle heure? 14h58, il est 15h, 15, 5 et 5, 10, 20h. À 20h, donc 18h, il faudra que je commence à regarder un petit peu quelle heure... à chercher un point de chute pour pas faire comme à chaque fois me planter dans les grandes mesures. Vaut mieux dormir avant plutôt que de se prendre une amende. Bon.
Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. On s'en fout, c'est 70, donc c'est bon. Voilà, je suis passé juste au moment où le train arrivait, donc j'ai eu de la chance. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Alors j'ai mis le truc en boucle, c'est pas possible. Bon, ça fait un petit bruit de fond, c'est pas grave. Ça fait un peu plus réaliste quand même. À 18h30, faudra quand même que je regarde un petit peu. Pas doublé, pas doublé, pas doublé, pas doublé. Fleuve, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'on a... Non, il n'y a pas de détails là-dessus. Donc, on arrive à Tchétchessine. Tchétchessine. Tchétchessine.
Merde. Tchè tchè signe donc. Oh merde, j'aurais dû le doubler là, j'aurais dû le doubler. Caramba, crétino que je suis. La contresens, on a, j'avais pas le droit de doubler, non là. Si je prends une prune, je suis inexcusable. Je vais peut-être pas tourner à gauche. Il y a deux trucs à découvrir. Tant pis, je vais aller tout droit. Ça va me rallonger un petit peu. Alors attends. Bon, on va aller jusque là. Ensuite, on va aller jusque là. Voilà, en fait. Il est temps d'aller travailler. Chose, il y a un truc de réparation, je pense, un garage. Non, une entreprise. Il y a un bateau en face là. Bah, si j'avais pas fait le tour, je l'aurais pas vu. Eh, il y en a un deuxième ici, il y a des bateaux à voile là. Voilà, là il y a le truc Mercedes. Ah, sympa là. C'est sympa là.
Bon, allez. Bon, bah j'ai quand même trouvé un marchand Mercedes. J'ai trouvé une agence de l'emploi pour trouver des chauffeurs supplémentaires. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai même pas de quoi me payer l'agrandissement. Si, je pense que je peux me payer mon agrandissement. Merde, c'est 50. Donc là, il est 18h13. Bon, on va commencer à chercher. On est sur l'autoroute. Là, j'ai un arrêt, mais là, ça fait un peu trop tôt. Il y a ici et là. Bon, là, on verra à quelle heure on est. Mais voilà, je pense que je peux faire deux arrêts. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je pense que je peux faire deux stations sans être pénalisé. Par contre, là, il va falloir que j'allume les feux. Parce que là, le jour commence à tomber, la nuit arrive. Donc là, on arrive vers Berlin. Donc là, on doit rentrer en Deutschland. Gramsow. C'est bizarre, mais on n'est pas en Allemagne, là. On est à Thiers. Eh si, c'était la capitale, voilà, t'as Berlin, ici, voilà, donc là tu vas descendre vers Berlin, ok. Donc là, il n'y a peut-être pas besoin de mettre les feux de route immédiatement. Asphalt. Ça me fait rire parce que fart en anglais c'est pas franchement autoroute. Too fart. Pété. Grosse rigolade. Hélico devant. Attention, veuillez respecter la limitation. Comme on est en Allemagne, je dirais que c'est un BO quelque chose. Dormir, vérification. Il me reste 1h36. Ok, bon bah on va peut-être s'arrêter à la prochaine station. Oui. Ah. Si ça a changé. On s'arrêtera à la prochaine station à essence, donc là-bas. Je double, s'il vous plaît. Oh, camion Michelin. Ah ouais, bah tenez la droite, heureusement que je me suis pas rabattu. Allez, dégage.
donc là, je vais pouvoir faire ma nuit. Le jour tombe, on va se réveiller au petit matin. Impeccable, normalement, on va continuer la route, je pense, soit la fin de nuit, soit, j'allais dire, le début du jour. La palissade, que ferais-je sans toi ? Alors, je suis à 85, c'est bon, oh là, oh, du calme. Donc, le plan, où est-il? Oh purée, il y a quand même encore un bon bout de chemin, là. Bon, ben, en espérant qu'on arrivera à temps, oui, je pense quand même. Oh là. Tenez la gauche. Non, c'est ça. Ouf, je veux respecter la limitation de vitesse. Mais punaise, j'ai mon limitateur, je suis dans une descente de secondes. Oh là. Bon, eh ben, on arrive. Ça va être bientôt l'heure de faire notre dodo. Prochaine coupure dans 43 minutes, ouais, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Varsovie, Dresde, donc nous on sort pas. Oui merci, je sais que je suis fatigué, il faut que je trouve un arrêt, merci. Je suis au courant. Punaise, ça fait encore une bonne trotte. Hein. Voilà, je suis toujours trop optimiste hein, avec les. Allez, tant pis. Eh ben, tant pis. Ouais, merde. Ouais. Oh merde. Mais t'as un flic tous les 100 mètres là, c'est pas possible. Oui, je sais que je suis fatigué. Oh putain, c'est pas vrai. Donc j'arrive à cet arrêt Fissa là. Ça va être juste, ça va être juste. À chaque fois, franchement, je fais ça. C'est limite. Hein. Un kilomètre. Ouais. Oh, punaise. J'ai 2000 euros de contredanse pour essayer d'arriver.
Alors. Oui, je sais, je suis fatigué. J'arrive. Putain, mais... Allez. Ouais, tu trouveras un autre itinéraire, j'en suis sûr. Hop, on va passer par là. On n'a pas besoin d'essence pour le moment. Le parking. Où il est le parking? Punaise, non c'est pas vrai, il n'y a pas de place. Ah non, c'est pas possible. Oh. Ah si, voilà. Oh là 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 là. Et j'ai eu mon amende parce que j'ai pas été assez vite. Et merde. Voilà. Bon, c'était... Ouais, c'était faisable. Si j'avais pas glandouillé quelques secondes, là... Enfin bon... C'est pas grave. Donc là, destination... revenu, temps restant, j'ai 14 heures pour le faire. Donc F5, j'ai encore 600 bornes, 9h50, et la coupure c'est 10h38, donc il faut que je roule un petit peu plus vite que prévu, donc je suis à 80 au lieu de 85 au lieu de 80, ça me permet d'aller, ok donc là on va remettre le truc. Donc là, a priori, on continue sur le chemin. Bon, bah dépêche-toi. Pas le droit de doubler par ce côté-là, méchant. Ah, bon. Voilà, bah on reprend, il est à nouveau jour, c'est impeccable. Remarque, ça c'était bien fait. Prochaine coupure 9h, 10h, donc 10h, il est quelle heure? Il est... ouais, 6h53, on va dire 17h. Ouais, bah ça, de toute façon, je pense que j'aurais fini la mission, là.
que le mec de la police te double. J'ai peur que ce soit un policier. Oh ! Panique à bord. Bon. Alors, par contre, à l'inverse, quand vous baladez en Allemagne, c'est quasiment que de l'autoroute. Hein. C'est rare de tomber sur des routes. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement l'Allemagne c'est le pays le moins intéressant à faire, parce qu'il y a très peu de, enfin il y a des routes nationales, mais il faut faire vraiment du petit, on va dire, du cabotage. Kreuz, Hanover, Ost, sortie à 1000 mètres. Punaise. Je peux rien si on est dans une descente. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Putain, on est à 97. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Ouais, bah là on va ralentir un petit peu, hein, quand même. Sans encombre. Alors c'est bien en plus pour faire la simulation, parce que là j'ai le soleil, ça m'éblouit. Mais le vrai soleil là. C'est parce qu'en fait, mes vis-à-vis, mes voisins, comme je suis dans un appartement où c'est plutôt des grandes vitres, ça reflète un peu le soleil, c'est assez éblouissant, quoi. Donc ça pousse encore la simulation un peu plus loin.
casser les bonbons tout le temps, lui, là. Et 9h. Ah! Donc c'est vers 16h, j'avais dit. Donc vers. Il me reste combien de temps là? 7h. Alors. 7h46, on va dire 8h. Ouais, ça fait 16h43, donc 15h40, bordel. Punaise, mais qu'est-ce qui branle là? À droite, hop. Tourner à gauche, à droite, j'entendais pas. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ah, c'est calme. Putain, elle est chiante l'autre là. Bon. Un peu chauffé, j'ai l'impression. Remarquez, c'est pas mal, hein, ça. Mais ce qui est chiant, c'est les trucs qui sont en plein sur une sortie, là. C'est un peu chiant, parce que des fois, ça vous empêche de sortir ou de rentrer sur l'autoroute. C'est complètement con. Kill. Punaise. C'est ça qui est chiant, d'un seul coup les mecs ils s'immobilisent, là tu sais pas ce qui se passe, et là tu t'en plafonnes, enfin franchement, ah c'est... Mais putain, c'est pas parce qu'il y a une camionnette de police que t'es obligé de t'arrêter, même si c'est des fois, c'est vrai que les gens ralentissent, mais bon, de là à s'arrêter, bonjour, hein. Et enfin,
J'ai toujours pensé que de freiner brutalement, c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention sur toi. Hein. Enfin, si t'es un petit peu au-dessus de la limite, bah tu passes et puis tu. Passons sur une autoroute, les gens qui sont pile poil à la vitesse, il n'y en a pas des masses. Je pouvais continuer là de toute façon. Visiblement. Un grand pont. Ma foi. Tiens, je serais curieux de savoir s'il y a le pont de Mio. Il faudrait que j'aille voir. Outre le fait que Mio, c'est un coin qui m'est cher au cœur parce que c'est dans l'Aveyron et que bah, le paternel, mon vieux, il est du coin. Là, c'est un Aveyronnais. Mon grand-père est Aveyronnais. J'ai toujours des oncles qui sont dans l'Aveyron. Ça serait assez sympa. Mais je suis à 85, c'est bon. Oh là là là, quel emmerdeur. Deux. Il faut respecter les formes. Oh là. La prochaine chose que je peux débloquer, je mettrai la dernière, faire les trajets les plus longs. Voilà. Comme ça, ça me permettra de faire des vidéos d'un seul tenant qui seront suffisamment longues et avec un voyage assez sympa. Allez, hop, on va doubler. Lui, est-ce qu'il la respecte? Là, j'arrive pas à le rattraper. Hein? Est-ce qu'il a un automate qui lui dit « Attention, respectez les limitations de vitesse !»« Attention, respectez les limitations de vitesse !» Eh merde! Ah non, ça doit être... il est 11h35, je pense. Ouais. Non, je pense que c'était plutôt mes remboursements. Voilà, ça y est, on change de pays. On va regarder où on est là. On doit pas être très loin. Non, on arrive. On est à Eschberg et puis on va aller dans la zone industrielle sûrement. Voilà, notre trajet prend fin. C'est cool. Alors tiens, je voudrais voir un petit peu où j'en suis avec ma banque et de mes remboursements. Donc je suis 26 jours sur 35. Là j'ai solde à rembourser 22 000, je pourrais les rembourser. Mais non, je préfère attendre. Accumuler mon petit pécule, là je vais avoir 100 000, je sais même pas combien elle fait les courses là. Voilà, ça va me faire pas mal de pognon, 176 000.
je vais atteindre les 200 000 là, je pense, à la banque. Donc ça va être plutôt cool. Là, ça, là, le, on va dire que dans 2-3 missions, ben non, en fait, il faudrait que j'attende 9 missions encore, malheureusement, pour pouvoir vraiment accumuler un pécule suffisant, faire un petit emprunt et débloquer donc mon 2 places supplémentaires pour le garage et me payer 2 camions supplémentaires, sachant que les camions, c'est dans les 120 000 euros. Donc 120 000 ça fait le c'est 80 000 pour augmenter, je sais plus. Ah merde. Alors gestion des camions, gestion des garages. Voilà. Alors mon garage à Paris, j'ai qu'une place et pour l'améliorer. Ah non, c'est 280 000. Oh là 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 là. Ouais, c'est 200 000. 200 000. Bon, alors avec les, avec un camion supplémentaire, ça fait 200. Ça fait 300 000. 300 000, ça fait 450 000. Ouais, quand même, il me faut 450 000. Hein, donc, il va falloir que je fasse encore quelques missions comme ça, là. Je pense qu'il va falloir sortir. Ouais. Esbjerg. C'est bon. Bon bah on est dans la dernière ligne droite, si j'ose dire là. Bon bah voilà, ça y est, le point de livraison est en vue. À 90 km heure quoi, au lieu de 70, c'est bon. Pas de panique. Allez, hop. Allez, tout droit.
c'est très bien. Fin de l'imitation. Merde, pas pour nous. Ouais, 450 000 il me faut. Oh bah là, j'ai de quoi me payer un camion cash là. Là, j'ai votre argent. J'ai 176 000. Ah mais non, je disais une connerie là, 176 000. Mission en cours. C'est pas 176 000, c'est 176 000, c'est ce que j'ai. Quel crétin. Revenu de la mission, c'est 39 000. Bon, c'est déjà pas mal. Avec les 176 000, ça va me faire, bah, ça va me faire 200 000. Ouais, ça, déjà, je peux acheter mon extension. Avec les jours qui me restent, je peux me payer un camion. Si j'emprunte 100 000 euros... Enfin bref, j'arrive à une zone où je vais pouvoir faire un investissement assez conséquent et on va dire commencer mon fameux cercle vertueux. Donc, et donc en fait les choses les plus importantes à faire, oui, c'est débloquer une certaine distance, 3-4 au minimum. Faire des économies d'essence pour pas qu'ils dépensent du pognon dans l'essence. Et donc le pognon qui n'est pas dépensé dans l'essence, c'est du pognon qui revient dans mes caisses à moi. Donc ça c'est intéressant. Et surtout un skill dans chaque compétence, c'est-à-dire transport de marchandises fragiles, de livraison juste à temps, ça on s'en fout, de produits dangereux, voilà, quelques-uns. Bon, enfin les plus classiques, genre les livraisons de pétrole, des choses comme ça... de produits, le pétrole, c'est assez courant, quoi. C'est pas vraiment des cargaisons extrêmement particulières. Donc les deux premiers, ça devrait suffire. Ça vous ouvre déjà un bon nombre de, on va dire, de missions complémentaires. Tournez à droite.
c'est là. Oui, oh bah, j'ai horreur de ces trucs-là. On fait livraison automatique. Désolé, je suis pressé. Voilà. Excellent. Donc, j'ai pas... Yes, 17, donc ça c'est cool. Voilà, donc 39 000. Continuez, donc on va voir. Et ben, on va faire une longue distance, voilà. Ça, comme ça, j'ai les distances maximum. Je peux faire des livraisons partout. Donc, si je fais une livraison à plus de 5, plus 30% d'augmentation pour une livraison distante de plus de 1500 km. Donc, il faut que je vise des livraisons de longues appliquées. Ensuite, bah, je ferai éco-conduite, je ferai les deux derniers. Et après, je ferai en automatique parce que le reste, je m'en fous. Ça, c'est des bonus quand tu fais. Mais ce qu'il faut faire, c'est longue distance. Et au minimum, c'est 3. Ensuite, 3-4, hein, parce que... 4, vous faites 1000 bornes, et 1000 bornes, vous avez des, on va dire, ça vous rapporte 30-40 000 euros. Et ça, pour avoir accès à ces types de missions, donc grande valeur et fragile, ça, juste à temps, c'est pas trop important, parce que, bon, c'est si vous livrez à l'heure, vous aurez un bonus, c'est intéressant, mais sur le long terme, on va dire. Et ça, vous voyez, le premier, donc c'est les explosifs. Le deuxième, c'est le gaz inflammable, gaz non inflammable, liquide inflammable. Donc, c'est genre essence, les trucs, matière inflammable, tout ça. Donc, si on peut débloquer les deux, trois premiers, on va dire, ça vous ouvre aussi pas mal, on va dire, de missions. Mais après. Oui, je souhaite valider les points. Voilà. Voilà. Donc, alors, retour en banque. Là, j'ai combien donc là, j'ai 27 sur 35. Ça continue à avancer. Là, ça va être la nuit. Donc, bah, je vais rembourser demain matin. Et là, j'ai 200 000 euros. Donc, ça y est, c'est acté. Je peux agrandir mon garage. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'agrandir parce que je n'ai pas de quoi me payer un camion, au minimum un camion. Pour me payer un camion, si je regarde par exemple gestion des garages, gestion des camions, achat de garage, non c'est pas ça, c'est pièces de camion, vendeur de camion, Renault, voilà. Au client fidèle, vous avez 5 camions. Voilà. Donc il faut que j'achète 5 camions. Donc, mais par exemple, pièces de camion. Ouais, bah, le problème c'est que. Voilà, j'ai pas. Mais ça doit coûter dans les 120 000, 130 000. Donc il faut compter 250 000 pour 2 camions. 250 000 plus 200 000 on va dire pour être tranquille, pour avoir un minimum de trésorerie pour faire les premiers remboursements, ça veut dire qu'il faut 450 000. Voilà, 450 000. Si je peux avoir le prix d'un camion pour faire un emprunt à la banque qui serait un emprunt bah de, je pourrais faire 400 000 hein, je pourrais faire 400 000. Sachant que je fais des missions qui me rapportent 36 000, ça pourrait le faire. Mais bon, j'avoue que je préfère pas trop. Après, par exemple, pour acheter un garage avec deux places, ça fait 200 000 plus 200 000. Voilà, quand tu as de la trésorerie, tu fais ça. Tu achètes deux camions supplémentaires. Tu achètes un camion supplémentaire, c'est déjà voire même deux quand tu as 500 ou 600 000 en banque, tu peux, mais voilà. Après, c'est effectivement investir pour on va dire justement augmenter votre, mais il faut pas trop le lancer, hein. Il faut quand même que vous fassiez attention. Et puis autre chose, c'est que vous allez vous lancer dans des
Moi, je ferai des petites structures, pas des grands garages, un petit garage. Vous faites un grand garage, on va dire, quand vous installez en France, à Paris, vous allez à Rome, vous créez un grand garage. Ça va être, on va dire, votre implantation. Vous allez commencer votre implantation en Italie ou avec Iveco, juste à Paris. À Paris, vous pouvez avoir, on va dire, un grand garage. À la rigueur, un deuxième, par exemple à Lyon, on va dire, ou à Marseille, pour dire que vous avez un garage, qui va être, on peut, on va dire, segmenter votre espace. Paris, il fera toute la région nord, et puis vous aurez Lyon qui peut faire toute la région, le sud de la France, quoi. Après, vous pouvez faire comme ça. Paris s'occupe de l'ouest et vous avez Strasbourg qui va s'occuper de l'est. Ça, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille pas de faire trop de grands garages, même si à terme c'est rentable. Des petits garages, des petites activités, et puis voilà, c'est plutôt ça. Et un grand garage pour qui va être, dans mon esprit, on va dire, votre état-major dans chaque pays où vous allez vous implanter, Rome, Londres, Berlin, par exemple, etc., etc. Voilà. J'espère que je vais sortir de ce côté-là. Ok, donc là il faut que je retourne à Edgeberg. On va prendre de l'essence ici et on couchera ici, voilà. Mais ça, je vais juste le faire. Et après, on peut regarder par exemple les offres de traction. À Esperg. Donc là, vous avez jusqu'à Paris 37 000. Ça fait combien prix destination longueur du trajet. Par longueur du trajet. Non, mais là, longueur du trajet de l'autre côté. Paris, voilà, ça fait 11 heures de trajet. 1200 à 1287, vous voyez, vous n'avez pas forcément des grands trajets, 1144. Et donc là, vous n'avez pas de bonus pour le coup. Et si vous prenez un contrat externe, par exemple, et que vous preniez sur ce coin-là, la 2476, là, pour le coup, ça c'est plutôt intéressant. Ou alors avec à Bordeaux, ça vous fait 2000 km. Et si vous faites ça vous fait 1673 km. C'est impeccable parce que vous faites plus de 1500 km, donc vous avez votre bonus de distance. Et on va dire que ça vous fait une belle petite balade. Ouais, on sait ce qu'on fera la prochaine fois. Voilà, écoutez, notre petit voyage se termine ici. Donc, pour rappel, carte du monde. Donc, on est parti de Kaliningrad. Et on est remonté comme ça jusqu'à Esbjerg, c'est difficile à prononcer. Donc, ouais, Bordeaux, on n'y a pas été, donc on ferait un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Ça va être un gros voyage, presque 2000 bornes, mais ça peut être intéressant. De toute façon, on verra la semaine prochaine si cette mission est toujours disponible. Mais ça va être plutôt fun, ça va être plutôt rigolo. Et puis, de toute façon, faut regarder combien ça me fait là pour aller à Bordeaux. 63 000 euros. Ouais, ça c'est du truc intéressant. Donc ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, ça doit être le truc le plus intéressant
Ouais, c'est exactement ça, Esbjerg Bordeaux. C'est le meilleur rapport qualité-prix, donc c'est la mission qu'il faut faire. Elle est moins longue que celle qui était avant, qui rapportait moins cher, voilà, celle-là. Et donc, bah, clairement, c'est une mission qu'il faut prioriser. Et avec 63 000, bah, vous êtes pratiquement à 300 000 euros. Vous tapez directement dans les 300 000 euros avant même d'avoir terminé de rembourser. Et bah, en ayant remboursé, vous avez quasiment 400 000 euros, 200 000 euros pour votre truc, 200 000 euros, 120 000 euros pour votre camion. Vous faites votre emprunt, vous avez 120 000 euros et vous avez votre camion qui est impeccable. Voilà, et puis c'est ok. Impeccable, impeccable, c'est nickel chrome. Voilà. Donc, ben voilà, ça, la première étape de notre déploiement, ben, elle va arriver incessamment sous peu. Bon, ça va le faire, hein, je reprends, hein, malheureusement, mais maintenant, j'enregistre, voilà. Et j'enregistre dans le cloud, surtout. Et bien, c'est terminé, à la prochaine, ciao, ciao!